Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Sept clés pour améliorer le climat des affaires. Le 11e Cameroun Business Forum s'est achevé sur une note de satisfaction ce jeudi soir à l'immeuble Étoile. Les propositions retenues sont en tête de ce journal. Une clé pour relancer l'économie, l'industrialisation ou l'urgence d'une transformation structurelle vers l'import-substitution. Et c'est maintenant ou jamais, entendra-t-on dans ce journal. Les clés pour le succès à l'université passent également par la restauration et le logement. Nous irons vivre l'offre de ces modalités sur les campus de Yaoundé et de Maroua. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le chiffre est parfait, cet indicateur de performance pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Cette proposition retenue au terme de la 11e session du Cameroun Business Forum, la rencontre restreinte public-privé présidée ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement, visait à changer le classement du Cameroun sur l'indice Doing Business. Joseph John Gouté engage le gouvernement et les partenaires à une capitalisation immédiate de ces orientations. La moisson du CBF 2020 avec Laurentine Bekono à l'immeuble Étoile. Le clap de fin de la 11e édition du Cameroun Business Forum retentit, exactement sept indicateurs de performance ont été identifiés et consignés dans la feuille de route comme plan d'action prioritaire à mettre en œuvre dès le mois de décembre 2020. Autant dire qu'il n'y a pas de temps à perdre au regard de l'urgence et de la gravité de la situation économique imposée par la pandémie du COVID-19. En plus des indicateurs de performance, la feuille de route Doing Business 2020-2021 identifie clairement les responsables et les délais de mise en œuvre des réformes envisagées. Le caractère concret et pragmatique des recommandations épouse le franc-parler et l'esprit constructif observé lors des exposés et des échanges entre les pouvoirs publics et les partenaires du secteur privé. Le représentant du groupe de la Banque mondiale s'en est félicité et a exprimé la disponibilité du groupe a accompagné le Cameroun dans ses efforts d'amélioration de l'environnement des affaires dans le contexte du COVID-19. Après 3 heures et demie de travaux en continu, le CBF 2020 s'est refermé sur cette note d'espoir instillée par le Premier ministre chef du gouvernement, dont voici la substance. Les réformes ne sont pas faites pour être conservées, elles sont faites pour être mises en œuvre. À l'opposé, il est important que les bénéficiaires des réformes s'imprègnent des avancées en afin de pouvoir en tirer avantage. Parmi les 50 participants triés sur le volet pour ce CBF 2020, des membres du gouvernement, des membres des chambres consulaires, du patronat et des partenaires techniques et financiers du Cameroun, tous se sont séparés tout à l'heure sur une note de devoir accompli au terme des 5 exposés et des 5 heures de temps partagés ensemble. Le Premier ministre chef du gouvernement a confié sa satisfaction à notre reporter au terme de ses travaux, Laurentine Bokono, qui recueille ses propos. Ça nous a permis de faire le point sur des grands dossiers qui interpellent le secteur privé et le secteur public et pour notre classement dans le doing business. Je crois que nous avons eu droit à des exposés très enrichis et un débat très intense qui a permis d'aboutir à une feuille de route très appropriée et que le gouvernement et le secteur privé vont mettre en œuvre. Je saisis cette occasion pour remercier tous les responsables du secteur privé qui nous ont honorés de leur présence ce matin ici. Et nous continuons
à travailler sous l'éclairage du président de la République, la main dans la main. Concept entendu à ce CBF 2020, transformer la crise sanitaire du COVID-19 en opportunité. C'est en tout cas le leitmotiv des opérateurs économiques. Cela s'appelle au Cameroun la résilience et même ailleurs. Quelques acteurs tirent effectivement leur épingle du jeu et résistent aux chocs actuels. Ils ont confié leur recette à Cyril King-Mbépé en marge des travaux du CBF 2020. L'opportunité commence par la capacité à se poser la bonne question. Il est important de ne pas aller dans le même sens que tout le monde. Pouvoir saisir l'opportunité de la crise pour se transformer, pour se remettre en question. C'est un pays qui doit encore se transformer. Les entrepreneurs devraient, au-delà de tout, tenir un plan de continuité d'activité. Nous avons accéléré le suivi rapproché de notre clientèle. Se préoccuper même de la santé de nos déposants. Certains d'entre eux ont réussi à se positionner. Nous avons mis en place ce tissu que je vous présente, qui a été certifié en or pour la fabrication des masques, de ces produits finis, qui sont des masques pour aider nos populations. En résumé, la réussite s'appuie sur une volonté ferme. C'est le moment où plus que jamais de développer la production, la transformation et la consommation locale. Au niveau, par exemple, des pouvoirs publics, qu'on ait des stratégies qui fixent en bonne et due forme des objectifs de quotas de consommation locale. Les crises sont un risque à prévoir pour une activité florissante. Jugé donc par les indicateurs identifiés au cours de cette session du CBF, on voit clairement que l'économie camerounaise doit entreprendre de profondes mutations, accélérer l'industrialisation pour s'arrimer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'import-substitution. En somme, et le gouvernement le comprend visiblement, la réforme structurelle de l'économie tant décalée est de plus en plus urgente aujourd'hui. Olivier Kingemoli. Entre le dernier CBF 2019 et celui de 2020, l'économie nationale s'est trouvée coincée par deux réalités qui ont eu pour effet de détériorer une structure malgré tout résiliente. Le CBF 2019 s'est déroulé dans la dernière année du DSCE. 2020 se tient à l'entame de la deuxième phase de ce document connu sous l'appellation de Stratégie nationale de développement 2020-2030. Ces différents éléments de compréhension appellent à une transformation structurelle de notre économie forcée par l'ampleur des conséquences et de la crise aux nos eaux et de la pandémie du coronavirus. La transformation dont il est question ici, telle qu'envisagée par les pouvoirs publics, induira un ensemble de réformes. L'accélération du processus de production locale préalable à une transformation interne dont l'un des objectifs va s'évaluer à travers l'import-substitution. Mais comment occulter dans le cadre de cette transformation le marqueur principal qu'est le PDI, Plan Directeur d'Industrialisation, avec ses principaux sanctuaires? Les participants aux échanges de ce 22 octobre 2020 à Yaoundé se sont bien accordés sur l'urgence de la transformation structurelle de notre économie et c'est un signal fort. Et les femmes camerounaises entrepreneurs ont leur partition à jouer dans cette relance de la croissance attendue. Elles tiennent un forum du 23 au 28 novembre ici à Yaoundé avec d'autres consoeurs du continent. Pour annoncer les contours de cet événement, la présidente du forum donnait une conférence de presse ce jeudi ici à Yaoundé. Je vous propose d'entendre Simone Rose Mangele dans un extrait sélectionné par Caroline Ouété. L'un de nos objectifs est de faire migrer les femmes qui exercent dans le secteur informel pour le secteur formel. Plusieurs femmes ne sont pas au courant des initiatives, qu'elles soient privées ou publiques, en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons mettre en lumière toutes les initiatives qui favorisent l'entrepreneuriat féminin et spécialement l'accès au financement. Toutes nos excuses pour l'indication du nom de Madame la Présidente du Forum des femmes entrepreneurs du Cameroun qui se tient du 23 au 28 novembre, on l'a dit, elle s'appelle bien Rose Simone Mangele.
Et un autre atout pour l'économie nationale, c'est bien le C2D, le contrat de désendettement développement France-Cameroun, qui va investir quelque 64 milliards dans le processus de décentralisation d'ici à l'année 2022 à travers le PNDP, entendez le Programme national de développement participatif. Madame Marie-Madeleine Nga et ses partenaires du C2D tenaient ce jeudi les quatrièmes petits déjeuners à Yaoundé. Parmi les convives sur ce sujet, notre reporter Jean-Pierre Congé. Mise en place par le gouvernement en 2004 pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées, le PNDP est l'instrument par lequel sont injectés les fonds CDD dans le processus de décentralisation. D'ici 2022, ce sont 64 milliards au total qui seront investis et déjà 11 projets d'infrastructure ont été réalisés, près de 2000 jeunes recrutés et 5500 solutions endogènes mises en œuvre entre autres. Avec la mise en place prochaine des conseils régionaux, les acquis du PNDP seront d'une grande importance dans l'accélération du processus de centralisation. Les agents communaux pourraient servir de tremplin pour la fonction publique locale, tout comme la formation au logiciel Simba avec la reddition des comptes. À en croire les responsables du CDE, des discussions sont en cours avec les pouvoirs publics en vue de l'extension aux régions de cet accompagnement jusque-là réservé aux communes. Sur le front des routes, le ministre des Travaux publics est en visite d'évaluation sur des chantiers à travers la République. Et ce jeudi, Emmanuel Nganou Djoumessi était à la pénétrante est de la capitale économique à Douala. Les entreprises là-bas ont jusqu'au 15 décembre 2020 pour achever les travaux d'urgence en cours depuis 2 semaines. Ce sont là les injonctions du ministre des Travaux publics à ce 3e jour de la tournée. Et sur ces pas encore à cette étape de Douala, notre reporter Rodrigue Bertrand Tueno. Dans la région du sud, les travaux se poursuivent sur les lots Olama, Bingambo et Grand Zambi Kribi malgré la saison pluvieuse. L'entreprise a un planning qui tient compte des différentes saisons de pluie. Donc présentement, on n'aura plus de terrassement, mais ils peuvent bien faire l'enrobé, comme vous voyez, c'est bien. Le bout du tunnel de l'enclavement n'étant plus loin, les bénéficiaires ont prié le ministre d'adresser leurs remerciements au chef de l'État. Cette route est bien attendue depuis nos grands-parents. Si aujourd'hui je meurs, j'irai dire à mon grand-père que je l'ai vu. Et nous disons merci au chef de l'État. Après la région du Sud, c'est par l'inspection des travaux en urgence au pont sur la Sanaga qu'il a amorcé l'étape du littoral. Sur le chantier de la pénétrante est de Douala, le taux d'exécution des travaux de 15% atteint en 2 semaines seulement par l'entreprise Razel ne l'a pas empêché de fixer la livraison au 15 décembre 2020, organisation du CHAN oblige. Sur la pénétrante ouest, l'apparition des dégradations a attiré son attention avant que sa caravane ne mette le cap sur le département du Mungo. Le cacao qui doit apporter également sa fève pour rebooster l'économie, mais il faut d'abord relancer la filière. Le ministre du Commerce appelle à un rajeunissement de la force de production. L'encouragement aux cacaoculteurs, c'était ce jeudi en Tui, dans le département du Mbam et Kim. Luc Magloire Mbarga Tangana procédait là-bas à l'inauguration d'un autre centre d'excellence du traitement post-récolte. C'était à Bindalima, après le centre de Nguinda, dans la haute Sanaga. Retrouvons à cette étape Luc Bienvenu Onana, Antui. Premier bassin de production du cacao au Cameroun au cours de la dernière saison avec un volume de 60 000 tonnes, Mbam et Kim entend également occuper le premier rang en termes de qualité de la fève grâce au centre d'excellence du traitement post-récolte officiellement mis en service. Nous devons conquérir chaque bassin pour hisser définitivement le cacao du Cameroun au rang de l'excellence qualitative. Ce n'est pas un travail gratuit parce que au bout du compte,
il y a une rémunération conséquente. L'ambition est à la hauteur de la société coopérative des entrepreneurs du cacao d'Intui qui ne manque pas de muscles. Cette coopérative est avant tout l'initiative de la jeunesse. La jeunesse qui assure le relais de la régénération de la force productrice. Le conseil interprofessionnel du cacao et du café a rassuré que le meilleur reste à venir grâce aux chocolatiers et confiseurs français, partenaires sûrs. Ces actions de terrain sont soutenues également par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le MINADER, qui finalisait son projet de performance administrative cette semaine au cours d'un atelier tenu à Nkolandom, non loin des Bolova, dans le sud. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé recommande l'accroissement du volume des productions également, avec une enveloppe prévisionnelle de 89 milliards pour l'exercice 2021. D'autres précisions avec Charles Lobon Nouesso. Le budget prévisionnel du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural pour l'exercice 2021 est estimé à un peu plus de 89 milliards de francs CFA. Une enveloppe validée au cours des travaux de l'atelier de finalisation des performances administratives du MINADER tenu à Kolandom. Avec plusieurs projets à la clé pour propulser l'entrepreneuriat agricole et la productivité. Nous avons mis l'accent sur la production du riz et la production du cacao, en adossant à ça la production de produits vivriers pour assurer la sécurité alimentaire. Les participants cadres et sectoriels du MINADER venus des 10 régions ont été outillés en matière de gestion axée sur les résultats adossés sur la nouvelle nomenclature budgétaire. Après de longues années de bons et loyaux services rendus à la justice camerounaise, c'est maintenant le temps de la retraite pour une vingtaine de hauts magistrats à la Cour suprême. Lors de la cérémonie de revoir ce jeudi à la salle d'apparat de cette haute juridiction, le premier président Daniel Mekobe Sonné et le procureur général Luc Ndjodo leur ont remis des cadeaux de séparation en signe de reconnaissance. Voyons cela dans ce reportage de Nicole Dodo. C'est un fait inédit dans l'histoire de la Cour suprême du Cameroun. Des reconnaissances soutenues par des cadeaux du corps judiciaire aux hauts magistrats admis à faire valoir leur droit à la retraite. Les remerciements des chefs de cour ont retenti ce jeudi à Yaoundé pour saluer les états de service et l'extraordinaire travail accompli pour la justice camerounaise au siège et au parquet. C'est le moment de prendre mon temps et de tenir ma vie comme un œuf. Les mots d'accompagnement du premier président de la Cour suprême du Cameroun. Vous devez maintenant prendre congé de certaines aspérités attachées à la fonction de magistrat. Et Voltaire a écrit à juste titre que la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Des exemples de professionnalisme dans le monde judiciaire qui serviront de boussole aux générations futures. Avec cette saison des rentrées universitaires font à présent surface les questions récurrentes des commodités de vie pour les étudiants. Premier arrêt ce soir, la restauration en ces temps de pandémie sur les campus. Quelles dispositions pour quelle assurance qualité? Regard dans l'assiette des COPS, Barbara Pajama. Il est déjà midi chez les COPS de soir. Il y a la fringale dans l'air. Pour gaver les crues entre les cours, les étudiants tournent le dos au campus et entourent des menus qui les entretiennent tous les jours. Le matin, j'ai les beignets, haricots, bouillis, il y a les spaghettis, il y a aussi omelette. Donc vers 10h, il y a le héros, il y a le concha. Mais maintenant avec le corona, c'est 120 plats que je vends par jour, 100 plats. Des pâtes, des omelettes ou des plats très consistants. Les universitaires sont débordés d'offres. Au campus, un plat c'est 100 francs, mais ici c'est à partir de 500. Les étudiants aiment bien la friandise, les petits gâteaux, les yaourts, les jus. Le resto du campus va rouvrir dans quelques jours seulement. Cette indisponibilité actuelle ne les invite toujours pas à exploiter leur coin cuisine.
Ils ont leur raison. Je fais la cuisine, ça fait 3 semaines. On mange plus en route parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour pouvoir faire la cuisine. Donc, c'est plus pratique pour nous de manger au restaurant. C'est vrai que ça nous coûte plus cher. Les boulangeries et petites gargotes sont des dépannages pour ces étudiants qui courent parfois affamés entre les cours toute la journée. L'autre casse-tête, ce sont les logements étudiants. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Mais bon an, mal an, il s'agit avant tout pour l'étudiant de réussir son année académique et de figurer au palmarès de fin, comme ceux publiés cette semaine par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Le regard de Daniel Menanga sur ce classement 2019-2020 des instituts privés d'enseignement supérieur, des BTS et autres Higher National Diploma. Une première lecture fait constater un regain d'engouement au Higher National Diploma. En tête, cet établissement à Boya avec une performance de 99,62% au classement général des IPES en 2019-2020. Les établissements dans cette zone ont pu tirer leur épingle du jeu, alors que si vous regardez le classement d'il y a un an, ils étaient, je pourrais dire, au bas de l'échelle. Donc je pense qu'il y a une reprise. En progression au brevet de technicien supérieur également, les filières toutes technologies, entre autres pourvoyeuses d'emplois. On a noté une grande croissance du nombre d'étudiants, du nombre d'apprenants qui ont concouru dans les filières de technologie. Ce qui nous réjouit, c'est un secteur, n'est-ce pas, qui peut booster le développement du Cameroun. Une deuxième lecture surligne encore une faible diversification de l'offre de formation et des produits prisés sur le marché de l'emploi. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Faisons le point de cette lutte acharnée que mène le Cameroun contre le Covid-19. La surveillance frontalière est de plus en plus renforcée. De nouvelles mesures viennent en appui à celles existantes. C'est ainsi que le ministre de la Santé publique est allé vérifier la mise en œuvre du nouveau dispositif de surveillance sanitaire, certainement à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa, ici à Yaoundé. Notre correspondant là-bas sur place, Évariste Eyenga, vous êtes en compagnie du docteur Fils Emmanuel Mignem pour nous expliquer ce nouveau dispositif à nos entrées au Cameroun, aux portes d'entrée principales. Bonsoir Adèle, le bien fondé de ce dispositif, le nouveau, n'est plus à démontrer quand on se souvient tous que les premiers cas de coronavirus sont passés par les frontières du Cameroun. Les premiers cas ont débarqué par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On en parle ce soir. Comment cela fonctionne sur le terrain? Notre invité, c'est le docteur Fils Emmanuel Mignem. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes le chef du poste de santé frontalier de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Le ministre a effectué une descente récemment là-bas. Qu'est-ce qui a changé en termes de dispositif de surveillance? Oui, en effet, il faut souligner que dans le processus de renforcement du système de surveillance au niveau des aéroports du Cameroun, le ministre de la Santé publique a pris un engagement avec la société Meditest qui dispose d'un matériel sophistiqué en termes de décontamination, en termes de désinfection et également en termes de testing. Également, ce qu'il faut préciser, c'est que cette société Meditest permettra la validation des tests. C'est-à-dire qu'il faudra vérifier la conformité des tests pour que nous soyons sûrs que les passagers qui arrivent avec les tests au Cameroun
ont des tests de laboratoire agréés des pays d'où ils viennent. Entre-temps, il y a des vols spéciaux, il y a les vols domestiques, donc il y a du mouvement à l'aéroport. Est-ce qu'il arrive que vous testiez des cas positifs là-bas? Est-ce qu'il arrive que des gens arrivent au niveau des frontières avec des tests qui ne soient pas conformes? Comment vous gérez ce type de situation? Bon, nous avons eu, du moins la gestion du Covid au niveau de l'aéroport peut être divisée en deux parties. La première, c'était avant le 25 mai, où les tests étaient réalisés à tous les passagers sur place. Et pendant cette période, nous avons eu des cas positifs. Nous les avons conduits dans les centres de traitement, notamment celui de Orca et le centre de quarantaine d'Olembe. Et après le 25 mai, il a été exigé que les compagnies aériennes embarquent les passagers qui ont des tests PCR COVID négatifs datant de moins de 3 jours. Donc depuis que cette disposition a été mise en place, les compagnies font le maximum d'efforts pour respecter la disposition. Et jusqu'ici, nous n'avons pas enregistré de cas positifs. Mais néanmoins, il faut dire que le ministre de la Santé, le docteur Manoud Amalachi, a mis à disposition des conteneurs médicalisés qui nous permettront de mettre en quarantaine les cas positifs, le cas échéant. Et voilà, qui présente l'enrichissement du dispositif de surveillance. Merci à vous, docteur, d'être passé. Adèle a observé la flambée progressive dans certains pays occidentaux à partir desquels les vols partent pour la destination Cameroun. Il est opportun de renforcer davantage ce système de surveillance au niveau des frontières. Cela est tout à fait nécessaire. Merci Évariste, merci au docteur Fils Emmanuel Miem. Et pour la santé animale, on compte 6 millions de chèvres et de moutons qui sont à vacciner en cette saison contre la peste des petits ruminants, et ce avant le 20 décembre. C'est la deuxième campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants qui a été lancée mardi cette semaine à Ngomedzap dans le Nyon-Esso par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des industries animales, en compagnie du PRODEL, le programme de développement de l'élevage. Franck Evina était en Ngomedzap. 4 ministres pour administrer les premières doses de vaccins. À l'honneur, quelques chèvres et moutons des bergeries de Ngomedzap et environ. L'injection immunisante de Capri Pestovax est tirée d'une souche camerounaise. La maladie qu'elle combat, la peste des petits ruminants, est découverte en 1985 par un fils du pays, le docteur Albert Doufissa. 6 millions de bêtes ciblées pendant cette deuxième campagne vaccinale. Financée par la Banque mondiale, le programme de développement de l'élevage veut ratisser l'âge. Cette opération lancée à Ngomedzap va se poursuivre pendant un mois sur l'ensemble du territoire. Nous visons ici à vacciner 100% du cheptel. Les vétérinaires installés en clientèle privée sont appelés à la rescousse. Ils iront jusque dans l'arrière-pays avec ses engins roulants. Un autre tigre groupé sur la peste des petits ruminants après la campagne de 2019 baptisée Bazooka. Je vous donne lecture de ce communiqué sur la suspension d'une campagne publicitaire illicite et outrageante. Le ministre de la Communication qui porte à la connaissance de l'opinion qu'une campagne publicitaire de promotion des produit d'éclaircissement de la peau a été lancé depuis quelque temps par une entreprise de fabrication des produits cosmétiques dénommée Karimo, et ce par voie d'affichage et sur les réseaux sociaux. À l'observation, l'affiche publicitaire au centre de cette campagne comporte des jugements de valeur sur les personnes fondés sur la couleur de la peau et susceptibles par conséquent de porter atteinte à leur dignité. Par ailleurs, les messages référentiels qui sont dégage suggère des atteintes à l'éthique et à la morale publique. Le ministre de la Communication relève que la dite campagne promotionnelle est en totale violation de la loi du 29 décembre 2006 qui régit la publicité au Cameroun et qui, en son article 23, prescrit la conformité des messages publicitaires aux exigences de décence et de moralité, et dispose en son article 24 que les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale. En outre, la loi susindiquée engage en son article 57 la responsabilité pénale de celui qui fait diffuser un message publicitaire contenant des éléments de nature à porter outrage à une race ou à une religion. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Communication a
enjoint la promotrice de l'entreprise Karimo de mettre un terme à cette activité publicitaire illicite et outrageante en retirant toutes les affiches de cette campagne, tant sur les panneaux d'affichage que sur les comptes de sa société dans les réseaux sociaux, dans un délai de 48 heures à compter de la date de signature du présent communiqué, faute de quoi l'intéressé s'exposera aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. C'est signé par le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, ce 22 octobre 2020. La suite du journal, la SDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, qui travaille à la sécurisation des approvisionnements en produits pétroliers. Un atelier sur cette préoccupation s'est ouvert mardi, ici à Yaoundé, sous les auspices de la tutelle, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. Nelly Christelle Ondoa de CRTV Centre fait le point. Plus qu'une armure, la sécurité dans la manipulation des produits pétroliers est une règle d'or à la Société camerounaise des dépôts pétroliers. De la réception au dispatching en passant par le stockage des dérivés du pétrole, tout est minutieusement conduit comme en témoignent ces démonstrations sur le site de Yaoundé en marge de l'ouverture de la rencontre annuelle des chefs des dépôts SCDP. Sécurisation des installations et des alentours, un chantier qui en appelle à la participation de tous. Au Cameroun, qui sont autour de nos dépôts, de faire très attention. La manipulation des produits pétroliers est très très dangereuse et peut arriver à ce que nous avons déjà connu dans ce pays. Et c'est pour cette raison que la sécurité est au point, au cœur de notre activité. S'agissant des approvisionnements en produits pétroliers, la SDP carbure à plein temps. Il est question maintenant de préserver les acquis, mieux les bonifier. Nous voulions véritablement redonner assez de courage à ceux qui, au jour le jour, opèrent dans des différents endroits pour que le Cameroun soit bien évidemment sécurisé en termes d'approvisionnement ou en produits pétroliers. Pour qu'on ne connaisse pas de pénurie, il faut donc un certain nombre de dispositions à prendre. Entre-temps, la SDP est dans un vaste chantier d'investissement pour accroître les capacités de stockage de la SDP. Également présent à ces travaux, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, en sa qualité de tutelle technique, Gaston Elundu Essomba, a salué tous les efforts entrepris par la direction générale de la SDP pour hisser haut l'entreprise et y a promis garder un œil bienveillant sur la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Et pour finir avec les nouvelles du jour, la suite de ces visites d'évaluation des infrastructures de la CAN par le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moëlé-Kombi, qui était ce jeudi sur le chantier d'Olembe, ici à Yaoundé. Le stade, nous dit-on, présente fière allure. La confirmation avec Germain Noël-Essengue. Bien qu'étant traditionnel, la descente sur le chantier de Limbé ce jeudi était particulière. Nous n'excluons pas la possibilité d'offrir supplémentairement dans le package que nous voulons présenter à la CAF, d'offrir ces deux aires de jeu qui sont, du point de vue des composantes essentielles, prêtes et fonctionnelles, de les offrir en appui. Les 10 ouvrages sont pratiquement achevés. Pelouse verdoyante, entraînement en nocturne garanti par des mâts d'éclairage, vestiaires qui n'attendent que des coffres individuels. Cet objectif intermédiaire n'influence aucunement le gros projet. Le stade principal étale sa splendeur. Pelouse et piste d'athlétisme n'attendent plus que la délimitation. Les sièges sont entièrement numérotés. La nouveauté ici, c'est l'équipement de la salle de conférence où la pose de 150 chaises est en cours d'achèvement. Les 34 loges VIP sont installées. Pour tout dire, le grand stade de Limbé prend de plus en plus forme. Fin prêt, dirait-on, et c'est la fin du 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselzé et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit, présenté par Gilbert Ongeni et Georges Marcel Messila. Pour les éditions du 20h30 du week-end, vous serez dès demain vendredi en compagnie de Atta Badiné Oumar. Je vous souhaite d'avance un excellent début du week-end et je vous dis à lundi 20h30.
il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.